Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le photographe Félix Bonfils. Né en 1831 et décédé en 1885 dans la région du Gard en France, l'homme est relieur et imprimeur. Il est formé à la fixation d'images sur verre et à la reproduction de la photographie par héliogravure. Son mentor est le scientifique Abel Niepce de Saint-Victor. Durant l'expédition militaire menée par la France au Liban, Félix Bonfils séjourne au pays du Cèdre. Sa femme Lydie et leur fils Adrien l'y retrouvent bientôt. L'atelier Bonfils ouvre à Beyrouth en 1867. Il réalise des vues pittoresques, des séries de costumes, mais aussi des photographies de monuments et de paysage. En 1871, Félix Bonfils reçoit une médaille de la Société française de photographie pour ses épreuves sur l'Égypte, la Palestine et la Syrie. En 1872, il publie un album aux éditions Duché à Paris. Cet album, qui contient une centaine de photographies du Proche-Orient, est vendu dans le monde entier par ses agents. En 1875, Félix Bonfils s'installe dans le Gard pour mieux assurer la diffusion de ses épreuves en Europe. Lydie et Adrien gèrent toujours l'atelier à Beyrouth. Pour l'exposition universelle à Paris en 1878, Félix Bonfils produit une série de 5 volumes intitulée « Souvenirs d'Orient, corpus pittoresque des sites, villes et ruines les plus remarquables ». Les albums sont distingués d'une médaille lors de l'exposition. Le cabinet des estampes de la bibliothèque à l'époque impériale fait l'acquisition de la collection. L'entreprise Bonfils couvre désormais tous les pays du Moyen-Orient. Au décès de Félix, Lydie et Adrien poursuivent l'activité jusqu'en 1895, date à laquelle Adrien se consacre à l'hôtellerie, tandis qu'en 1909, Abraham Guéragossian s'associe à Lydie Bonfils. À la mort de Lydie, en 1918, il rachète l'entreprise. La maison Bonfils fermera définitivement en 1938. Les photographies de Bonfils se trouvent notamment dans les collections de la Bibliothèque nationale de France et de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine en France. 5 de pique vous présente Libanaise. L'impression d'albumine a été réalisée par Félix Bonfils. La photographie appartient à la collection de Jean-Pierre et Yasmina Zahar. Elle a été gracieusement mise à notre disposition par la Fondation Arabe pour l'image, comme tous les clichés de cet épisode. Le portrait de plain-pied et d'apparat est hérité de l'Europe des temps modernes. Il assure la reconnaissance du modèle. Au-delà de la simple vanité, il renseigne sur une époque, des traditions, des coutumes, d'une bourgeoisie traditionnelle. Rien n'est laissé au hasard dans l'aménagement de l'espace. L'enregistrement du réel ou l'arrêt sur image est mis en scène par la théâtralisation des accessoires. La femme pose dans un intérieur chargé, au goût de l'époque. Les motifs au sol, de la nappe, du bas-relief et de la robe revendiquent une certaine opulence. La construction de la scène répond aux normes attendues par la société du siècle. Les courbes généreuses du personnage et son teint de porcelaine correspondent au canon de beauté des années en question. Sa posture nonchalante, la fleur dans la main droite, la main gauche posée sur la hanche, le visage légèrement penché et le regard pensif prouve qu'elle entretient un charme oriental volontairement teinté de mystère. Nous sommes de toute évidence face à la preuve qu'à travers l'art du portrait, la photographie démocratise l'accès à la représentation de soi. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, consacrée à l'art pour sa valeur documentaire et esthétique.